Bonjour à tous, aujourd'hui on fait le bilan sur cette arme de Chine. Alors cette arme, il a fait l'objet de plusieurs vidéos sur la chaîne, c'est la série ODC 2, il y a une partie 1 et une partie 2, et j'ai voulu lancer cette série pour montrer la succession des travaux et leurs effets sur un an de travail. Aujourd'hui on se retrouve en mai 2020, j'ai voulu faire le bilan d'un an de travail sur cet arbre de février 2020 à aujourd'hui, donc en mai 2021. Ça fait un peu plus d'un an, mais vous comprenez ce que je veux dire. Pour faire un résumé, la première chose que j'ai faite quand j'avais cet arbre, c'était de le rempoter dans un bon substrat. On est sur du 50% pumice, 40% akadama, 10% pozzolane. Ou sinon, vous faites 50-50 pumice akadama. Peu importe. Du moment que ce soit rétenteur, aéré et drainant. Et après ce rempotage, j'ai fait une première taille et une ligature, donc sur vraiment les tiges en fait, qui sortaient du tronc. Et j'ai sélectionné, si vous voulez, les branches que j'allais garder. Donc toutes les branches qui sont là, avant c'était des tiges que j'ai ligaturées pour bien diriger, j'ai fait une sélection. Ça m'a permis de faire un premier travail, de choisir à peu près la face, l'angle et le départ de chaque branche. Et également la continuité de la ligne de tronc. En 2020, j'ai décidé de repartir de zéro, c'est-à-dire que j'ai vraiment fait une taille drastique sur toutes les charpentières. Donc j'ai laissé 1 à 2 cm sur chaque départ de branche. La ligne de tronc pour moi, il n'y avait rien à changer. Donc ce travail de structure, je l'ai fait fin février, donc juste avant le départ des bourgeons. Ça c'est parfait parce que quand on fait la taille de structure juste avant le départ de l'arbre, l'arbre s'adapte tout de suite, on n'a pas de souci de retrait de sève, etc. C'est vraiment la bonne période pour le faire. Comme ça, juste après, il redémarre. Donc il a fait des tiges évidemment en arrière des coupes et autour de chaque coupe. Là j'ai eu un florilège de tiges, j'avais l'embarras du choix pour la suite. Et comme je vous avais dit, cet arbre, j'ai décidé de le travailler exclusivement à la taille. Donc pas de ligature, uniquement la paire de ciseaux. Donc c'est très simple hein, quand même au niveau des outils. Et suivant cette taille de structure, là j'ai commencé à enchaîner les tailles de densification ou tailles en verre, c'est-à-dire qu'à chaque fois je taillais dans la période de croissance au printemps les nouvelles tiges, donc qui étaient vertes, et je taillais pour revenir en fait sur 2 à 4 feuilles pour obliger l'arbre à se redensifier et à bourgeonner en arrière. Donc on avait les deux, on avait du compactage grâce au bourgeonnement en arrière, du remplissage de plateau et une densification parce qu'il multiplie le nombre de petits rameaux. Donc en tout, j'ai fait 4 tailles en 2020, une en mai, une fin juin, une fin août et une en novembre, juste à la fin de l'automne quand les feuilles commençaient à tomber. Évidemment, pendant ces tailles de densification, j'utilisais pas que le processus de tailler quand il y a une tige qui dépasse, j'ai essayé aussi d'analyser quelle tige c'était. Donc ça me permettait de faire une taille de sélection, c'est-à-dire que des fois, j'étais amené à supprimer carrément des tiges qui étaient mal placées, soit qui allaient directement vers le bas ou directement vers le haut, ou qui poussaient à l'intersection d'une ramification. Si vous avez un point de ramification avec deux branches et qu'il y avait des choses qui poussaient entre les deux, je coupais. Des choses qui poussent à l'aisselle des branches, ou alors les choses qui poussent dans la mauvaise direction, par exemple des tiges qui se dirigent vers le tronc. Avec toutes ces règles, ça permet de faire une sélection des tiges qu'on va garder, et ces tiges-là, on revient en arrière en laissant 2, 3, 4 feuilles maximum pour revenir en arrière. Et on voit maintenant que l'arbre a bien changé. Si on met à côté la photo de l'arbre en février 2020, on voit qu'il s'est énormément densifié. Et la technique de taille de densification, elle est hyper efficace. Et en plus, sur l'arbre de Chine, c'est flagrant parce qu'il a vraiment une grosse capacité de densification et de bourgeonnement en arrière. Donc là, c'est très 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 rapide. En un an, entre guillemets, on peut avoir un résultat plutôt intéressant. Sachant qu'au final, c'est un arbre de Chine de jardinerie. La première chose, c'était vraiment de sélectionner les branches et essayer de tiger pour qu'elles grossissent un peu. Ensuite, je suis revenu en arrière sur les structures pour garder 1 à 2 cm du départ des branches que j'ai choisies. Et ensuite, au fur et à mesure, j'ai fait des sélections de tiges. Je suis revenu en arrière, ça a rebourgeonné, je suis revenu en arrière, etc. Et j'ai construit la branche au fur et à mesure pour qu'elle s'écarte hein, du tronc. Et puis en même temps, qu'on ait une densification interne pour créer des masses un peu plus compactes et former des plateaux. Et la dernière intervention que j'ai faite avant le bouclage de l'année de travail, c'était début mars 2021. Donc ça fait tout pile un an de travail. Et cette dernière intervention, c'était un rempotage dans un pot à bonsaï, bien plat, où j'ai fait vraiment, comme vous l'avez vu sur le rempotage du cotonnet aster, une taille assez drastique des racines, une sélection des racines pour avoir une belle conicité et avoir un système le plus étoilé, le plus à plat possible. Donc ça, ça a pris un certain temps et ça permet aujourd'hui qu'il soit dans un pot très plat, qui lui va plutôt bien, je trouve. Le rouge avec le vert, c'est assez complémentaire. Et là maintenant, avec ce substrat fin et cette contenance limitée, je vais l'obliger à travailler sa densification fine de racines
pour avoir une densification fine en partie aérienne et éviter bah, justement de le faire tiger, etc. Donc sur cette année 2021, ça va être la même chose. Là, il s'est remis à pousser depuis le rempotage. On commence à avoir des tiges un peu partout. Et aujourd'hui, on va faire la première taille de densification de l'année 2021. Et il devrait y en avoir deux ou trois autres qui vont suivre. Donc un arbre de chine, une fois qu'on a la ligne de tronc, donc le système primaire, et le départ des branches, le système secondaire, on va pouvoir commencer ensuite à travailler les systèmes secondaires, le quatrième ordre, le cinquième ordre, etc., en faisant des sélections et des tailles de densification très précises sur chaque rameau. Et si on en fait 3 ou 4 par an chaque année, au bout de quelques années, on a quelque chose de très ramifié, et c'est un exercice très rapide à faire sur l'arbre de chine, et effectivement, c'est valable aussi sur d'autres feuillus. Donc là, aujourd'hui, je vais faire la première taille de densification, et je vous montre ça en détail. C'est parti. Alors comme d'habitude, j'essaie de vous montrer les choses assez proches. Bon là, c'est toujours compliqué au départ parce qu'il y a tellement de feuilles qu'on voit pas du tout les structures. Même moi, il faut que je me rapproche, il faut que je change d'angle au niveau de ma visu pour vraiment voir les choses. Je vais commencer par repérer toutes les tiges et me dire est-ce qu'il y en a besoin pour la structure, pour la continuité de la branche, etc. Et une fois que j'ai choisi de la garder, je reviens en laissant que deux feuilles. On va commencer avec cette première tige. Elle est bien dans le prolongement de la branche. Je la garde et je reviens à deux feuilles. Voilà. L'idée, c'est de savoir aussi la limite du bord du plateau. Si je veux vraiment que ce soit contenu ici, il faut que je taille ce qui vient en avant et je reviens en arrière. Si je veux continuer le prolongement de la branche vers l'extérieur, il va falloir que je taille en conséquence pour garder des tiges vers l'extérieur. Donc ça, c'est tout un exercice de sélection et là, on construit vraiment ce qu'on veut. On a le choix. Par contre, ce que je sais, c'est qu'une fois que j'ai ma limite, les choses qui poussent en intérieur, je m'autorise à en laisser certaines qui montent vers le haut, justement pour faire une épaisseur de plateau. Parce que cette règle de couper tout ce qui monte vers le haut, moi, c'est une règle que j'applique uniquement sur le système secondaire et éventuellement tertiaire. Mais une fois que la structure est faite, les feuilles ensuite peuvent monter vers le haut ou pas, mais il faut que ça fasse une espèce de forme de nuage. Il y a aussi les petites parties mortes, là où on a fait la taille et c'est reparti juste en arrière. Donc ça c'est pareil, on peut nettoyer. Là ici, il y a ces deux tiges. Par contre, celle-ci, elle monte vraiment trop vers le haut. Donc de toute façon, je vais la raccourcir, on va voir si ça repart sur une des feuilles. Comme j'avais dit la dernière fois, en général, le bourgeonnement arrière se fait sur la feuille juste derrière la coupe et dans la direction de la feuille. Donc si la feuille est dirigée par là, la tige va se développer aussi par là. Ces deux tiges, elles sont plutôt bien placées. Par contre, celle-ci, elle va vraiment en direction du tronc. Donc celle-ci, je vais revenir en arrière en gardant justement la feuille qui est bien dirigée plutôt vers l'avant. Là, cette tige, je la supprime parce que là, ça rentre dans le tronc. Ici, on a une partie qui monte légèrement vers le haut. Je vais réduire à deux feuilles. Par contre, je garde la feuille qui est bien dirigée. La feuille qui va justement vers nous pour qu'on continue à développer le plateau vers l'extérieur. Là ici c'est pareil, je réduis à deux feuilles. Bon, après ça devient de plus en plus minutieux en fait. Ici j'ai une tige derrière vous, mais c'est pareil, je réduis à deux feuilles. Et celle-ci je l'avais oubliée, c'est pareil, je réduis à deux feuilles. Donc ça c'est pareil, comme je vous avais dit en fait, là j'ai la continuité de la branche, et je vois sur le chemin de la branche, que je veux garder du coup vierge, des pousses ici. Donc je supprime les choses qui sont sur le chemin, parce que je veux pas qu'il y ait de branches qui se forment ici, parce qu'il y en a déjà là devant. Là, je supprime une petite partie qui est asséchée. Il y a une partie qui va vraiment vers le bas, je vais la supprimer. Alors je trouve que les deux plateaux ici, ils sont vraiment parallèles, et du coup, il y a des choses qui se croisent au milieu. Il y a notamment cette partie qui touche l'autre branche, donc je vais revenir en arrière. Parce qu'il y a quelque chose qui reste sur cette branche, juste ici. Alors là, à ce niveau-là, c'est pareil. Je garde ce mouvement de branche. Ici, il y a une division par deux. Par contre, à l'arrière, je peux l'enlever avec les mains. Voilà. Comme ça, je dégage le chemin et on voit les structures. C'est après ces structures que je veux que ça se densifie. Ici, j'ai une pousse qui monte vers le haut, sur la structure. Là, je vais repartir là-dessus. Je coupe à deux feuilles. Alors c'est à peu près deux feuilles, hein. Il peut en rester 2, 3, 4, c'est pas super grave. Là, on voit bien le résultat de la taille de densification. C'est-à-dire que la dernière fois, il y avait une tige ici. Je l'ai coupée,
Et là, on m'est reparti juste derrière avec cette tige. Et ensuite, j'ai taillé ça, c'est reparti derrière et ainsi de suite. Donc en fait, on construit au fur et à mesure vers l'avant en revenant en arrière. Là, c'est pareil, je garde deux feuilles. Alors là, il y a un choix à faire. Il y a une branche qui monte vers le haut et il y en a deux autres qui sont latérales. Après, ça peut être sympa que ça monte un peu plus vers le haut. Comme ça, il y aura une différence de niveau entre ce plateau et celui-ci. Donc je vais supprimer la partie qui va en bas. Sur cette branche ici, c'est pareil, je nettoie les intersections. Et les deux tiges que je garde, je les coupe à deux feuilles. Ensuite, juste à côté, c'est pareil. Il y a quelque chose qui pousse directement en dessous. Ça, c'est pas bon. Donc au final, il ne reste pas grand-chose, hein, mais les choses que j'ai gardées vont se densifier, vont se redévelopper, et ça va se remplir au fur et à mesure. Là, c'est pareil, les parties sèches. Là, il y a cette tige qui va vers le bas, donc je vais prendre une feuille qui est bien dirigée vers l'extérieur, et je coupe. Là, sur cette partie, je garde aussi que deux feuilles. Là, c'est une tige qui a courbé, elle a commencé à venir ici, puis elle a remonté. Donc je vais garder que la base, pareil, deux feuilles. Là c'est pareil, c'est un plateau que j'essaye de diriger par là. Donc j'essaie de garder les tiges qui vont dans cette direction. Là par exemple, il y a une tige qui revenait vers le tronc, c'est pas bon. Ici c'est bien, ça se dirige par là. Par contre ici, là ça revient carrément vers le tronc. Là je supprime carrément. Et donc là sur ces deux tiges, je vais plutôt suivre ce chemin-là, plutôt que celui-là, parce que celui-là il va vers le tronc. Donc là je le supprime carrément. Et ici, je garde que deux feuilles. Alors je vais plutôt garder ces deux feuilles-là, parce que cette feuille elle est bien dirigée vers l'extérieur. Juste enlever quelques feuilles à la base. Donc ici j'ai fini de tailler le premier plateau et je vais faire la même chose pour le reste en accéléré. On se retrouve juste après. Voilà, j'ai terminé la taille. Donc, comme j'avais dit, j'ai continué le même processus que je vous ai montré ici. Donc, la première chose que j'essaye de faire, c'est de sélectionner les tiges. Je ne les garde pas toutes parce que l'arme de Chine, il fait des tiges dans tous les sens. Il y en a qui sont bien dirigées, celles-ci, je les garde et je les taille en arrière en gardant que deux ou trois feuilles. Et pour les autres, je les supprime, mais tout en pensant au futur de l'arme. C'est-à-dire que je ne regarde pas juste les tiges et je taille à deux feuilles. Je les sélectionne et j'essaie de regarder aussi où elles se dirigent, si ça concerne une branche que je veux continuer à développer en avant, ou est-ce que c'est une branche que je veux justement réduire et compacter, donc je reviens en arrière sur des tiges derrière et je supprime les tiges devant. C'est vraiment en fait en fonction de l'arme. C'est pour ça que j'arrêtais pas en fait de regarder l'arme dans toutes les directions comme ça, avec mon regard bien parallèle à la surface du pot, et j'essayais de regarder bah, entre guillemets ce qui dépassait, ce qui choquait, ce qui était trop long ou pas. Ce qui méritait d'être supprimé et ça me permettait vraiment de sélectionner tout ça. Après, arrivé à la tête, c'est vrai qu'il y a une grosse densification. Enfin, il y a mieux, hein, mais il y a quand même une densification qui fait que c'est assez compliqué de s'y retrouver. Donc, moi, ce que je faisais, c'est que vraiment, je revenais à deux feuilles sur toutes les tiges et ensuite, je regardais ce que je taillais parce que sinon, c'est un peu compliqué parce que c'est très, très, très dense et on a du mal à voir les structures et comprendre le cheminement de la branche en fait à chaque fois. Ensuite, pour cette première branche, je vais voir, j'ai commencé par la réduire parce qu'au départ, en fait, il y avait la structure primaire et ensuite il y avait deux branches qui se divisaient en deux et ensuite ça faisait vraiment quatre branches et je trouvais que ça faisait un peu trop. Surtout que sur cette face avant, il y avait une branche qui revenait ici, j'ai fait le choix de la supprimer et j'en ai profité, comme vous pouvez voir, il y a du mastic en pâte dure. En fait, j'ai rogné à nouveau toutes les coupes qui avaient laissé justement une espèce de couronne avec un petit bourrelet cicatriciel et je suis revenu encore en arrière pour essayer d'aplanir au mieux et d'inciter l'arbre à recicatriser à cet endroit-là. Au fur et à mesure, les bourrelets, ils vont s'aplanir et ça va vraiment lisser les branches.
Parce qu'effectivement, hein, tous les mouvements qu'on voit, ils sont dus à la taille. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je taille, il y a un changement de direction. Et ces changements de direction, bah, à chaque fois, on voit un petit point de taille. Quand ça concerne des petits rameaux, c'est pas très grave, on voit rien. Par contre, quand ça concernait des grosses tailles de structure d'avant, de l'année dernière, évidemment, on voit encore un peu les cicatrices. Et au fur et à mesure, ça va se résorber. Donc maintenant, on a un arbre avec des structures plutôt intéressantes. On a vraiment une première branche, une première branche de profondeur. Ensuite, une branche de rappel à gauche, une branche qui vient en avant ici, la tête qui est garnie avec beaucoup beaucoup de branches, et puis on a une autre branche ici de profondeur que j'ai failli enlever parce que, effectivement, à ce point-là, vous avez cette branche-là et la branche de profondeur, et ici il y avait vraiment un espèce de bourrelet parce que la branche était beaucoup développée et il y avait une tige avant. Donc là, j'ai vraiment rogné cette coupe pour essayer de l'aplanir au mieux, et si vraiment je vois que c'est pas encore le cas, bah je supprimerai carrément cette partie au-dessus. Donc ça nous enlèvera cette branche, mais j'essaierai de développer cette branche-là à la place pour la diriger ici. Là encore, des fois, c'est difficile de se retenir, de ne pas utiliser de fil pour essayer de rediriger un peu les branches, de relever certaines parties ou de réaligner certains plateaux. Mais bon, j'essaye de résister. Je garde le challenge en tête en utilisant uniquement la taille au ciseau. Pas de ligature, et puis bah, au fur et à mesure, ça va le faire, je pense. Voilà pour cette taille, donc c'est pas un travail très long. Par contre, c'est à faire régulièrement. Les meilleures périodes, c'est au printemps, donc début du printemps, milieu du printemps, fin du printemps, et après une petite taille en automne avant l'hiver. Et là, on arrive à faire 4 tailles par an sur les ormes de Chine de ce type-là. Une fois, évidemment, que le système primaire et secondaire a été choisi en amont. Le système primaire, on le construit avec de la ligature en formant un tronc, ce sera la base du travail. Ensuite, avec toutes les tiges qui sortent sur les ormes de Chine, on va en sélectionner un certain nombre pour faire les départs des branches qu'on veut. Donc, au minimum, il faut une branche droite, une branche de profondeur, une branche de rappel et puis une branche de tête qu'on va ligaturer pour donner du mouvement. Et ensuite, au fur et à mesure, on va tailler, 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 tailler pour que ça se densifie. Et au fur et à mesure, bah, on obtient après un arbre qui commence à ressembler un bonsaï, un vrai arbre dans un pot. Et au final, là, on voit qu'on n'est que sur un an de travail. Imaginez les mêmes méthodes de travail appliquées pendant au moins 5 ans. Je pense qu'au bout d'un moment, l'arbre il va commencer à ressembler à quelque chose. Et les techniques associées, c'est vraiment juste une paire de ciseaux. Donc, c'est pas du tout compliqué. C'est abordable par n'importe qui. Il suffit de bien comprendre ce qu'on veut, les structures des branches, les divisions par deux, les directions. Et au final, on arrive à mener un projet assez facilement. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous donnera envie de faire vos tailles de densification sur vos ormes de Chine ou sur vos autres arbres. Hein. On peut faire ça sur les érables, les aubépines, les arbres fruitiers, etc. Et c'est une technique qui marche super bien et au final, on construit l'arbre au fur et à mesure, lentement, mais sûrement et avec une belle densification qui se développe au fur et à mesure à chaque intervention. Voilà, cette vidéo est terminée. On se retrouve bientôt pour un prochain sujet et faites du bonsaï!
Bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on fait le bilan sur toutes les interventions de cette... comment je peux dire ça? Donc en mai de... Et j'ai voulu faire le bilan... Et dans cette vidéo, j'ai voulu faire le bilan d'un an de travail sur... J'ai voulu faire le travail... Où vous faites 50-50... ou sinon, vous faites 50-50 Puzzolan à... La ligne de tronc, pour moi, il n'y avait rien à changer. Et... Non, j'ai quitté juste YouTube. J'ai rien fait, moi. J'ai ouvert un onglet, j'ai regardé YouTube, j'ai fermé YouTube. Deux à quatre feuilles sur une tige... comment je peux dire ça? Soit je garde des tiges, je regarde celles que je garde, donc imagine ce que...